Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce sixième épisode de Rayman Origins. Donc on va se lancer donc dans le passage avec les Electoons. Donc comme d'habitude, 175. Là, faut pas aller trop vite non plus parce que vous voyez, il y a les genres de ronces noires du monde des. Du monde de l'Inde aux esprits frappés qui, ici, par contre, par rapport au Rayman 3 que vous avez eu précédemment, était beaucoup plus sympathique alors que là, il est pas du tout sympathique. Là, je vous dis, je vais. Oh, je suis pas loin du 200. Pas loin du 200, mais c'est pas ça qui compte, donc voilà. On aura tous les électrons ici. Et c'est parti pour la suite, donc encore un niveau avec Mosquito bien sûr. Je suis pas allé assez vite, donc voilà. Là, on peut se servir des recoins pour pouvoir abattre plus facilement les ennemis. Là, on casse les piñatas. Hop. Là, dangereux. Donc là, on passe de l'autre côté. Donc généralement, ceci est un checkpoint. J'ai failli faire un strike. Ah là, j'ai fait un mauvais truc. J'ai fait un très mauvais truc là. Vous voyez, c'est un checkpoint, donc je vais recommencer ici. C'est pas bon du tout ce que j'ai fait là. Voilà, là c'est les couteaux. Vous voyez, il y a des fourchettes et des couteaux. Et je me fais sauvagement attaquer. Voilà. On va passer plus vite. Sans mauvais jeu de mots, c'est chaud quand même. Là,
on tue le piment qui nous posait problème. Et là on passe à la suite, donc au monde aquatique. Ah, apparemment, on va avoir de l'accueil. Là on peut aller dans l'eau. Faut pas, quand même pas trop se mettre. Vous voyez son point faible, c'est ce petit endroit en rouge, ou du moins en rose. En fait, plus on le tape, plus il rapte ici. Oula. Je m'y attendais, mais j'ai pas fait attention, j'étais plus concentré sur sa tête, voilà. Et voilà. Là, on l'aura compris, je suis au-dessus des 300, donc c'est bon. Et voilà donc. Et donc là, on passe à la zone aquatique. Je regarde en arrière, on sait jamais. Ah oui, là, c'est un truc pour pouvoir grimper. Donc là, vous voyez, c'est des Globox qui se font attaquer. Hop, du moins des. Ou du moins des. Je crois. Non, je crois que c'est des. Ah, je ne sais plus le nom. Bon, j'appelle ça. On va appeler ça des Globox. D'habitude il faut pas faire comme ça, mais bon, là c'est pour récupérer le plus possible de looms. Ah oui, je peux m'amuser aussi à chanter. Vous entendez peut-être pas très forte la musique, mais. Petite voix de Cressel derrière qui chante. Là, on va aller en dessous. On va aller en dessous pour récupérer aussi des looms. Et je crois qu'il faut nager là par contre pour réussir. Ah oui, c'est justement le niveau où l'on apprend à nager. Chose intéressante. Je vais quand même récupérer des looms. Voilà, la fée de l'eau. Voilà,
passer à la suite. Je me suis fait avoir. Là, j'ai pas sauté au bon moment. Là, faut aller très vite parce qu'en fait... Hop, hop, et voilà. Je suis allé trop vite, j'ai loupé des choses en arrière. Là, on va faire quelque chose... Là, on va se faire avoir, je sens. Ouais, tout à fait. Je vais recommencer. J'ai raté plein de choses, ça m'a été vu. Et hop, pour le 100% C. Du moins pour le... Il faut aller beaucoup plus vite en fait. J'ai encore fait n'importe quoi. On va se concentrer. C'est pas bon du tout. Les Volgul, concentre-toi. Ah, je saute au mauvais moment en fait. L'explosion se fait avant que je tombe. Voilà. Non, c'est toujours pas bon. Voilà, je me fais avoir par des flammes. Là, on va sauter. Voilà, il faut aller beaucoup plus vite. Pas. Et voilà. Donc une troisième fée qui donne donc le pouvoir de nager sous l'eau. C'est un peu un pléonasme parce que nager c'est toujours sous l'eau. Là, vous l'aurez compris, il y a une pièce ici. On la voit pas forcément au premier abord, mais quand on connaît le niveau. Et là arrive ma musique préférée. Ou du moins l'une de mes préférées du jeu. La première fois, ces poissons déstabilisent, mais après, hop, quand on s'y fait. Quoique là, j'y vois pas tous les looms qui sont dans les bulles. Et j'en rate quelques-uns, et j'en ai raté deux. Deux, vous me direz, c'est pas grand-chose. Là, on commence à arriver aux poissons à pic. Faut bien regarder aussi le sol et le... Et là, faut bien... Bien faire attention où sont les ennemis. On peut se faire avoir. Et donc de deux. Donc je disais, faut bien regarder le sol parce que des fois, vous voyez, il y a des petits trous qu'on voit pas forcément. Ah là. Là. Il y a les méduses qui apparaissent aussi. Donc les méduses sont... Bon là pour l'instant sont vraiment inoffensives. Quoique si je m'approche trop près... Elles m'électrocutent bien sûr. Là vous pouvez le constater. Ça devient un peu dur.
j'en ai raté un. Je vais aller récupérer donc la pièce qui va me permettre d'aller jusqu'au 300, je pense. Là, voilà. Vous voyez, là, elles font un peu n'importe quoi. Donc, pour la pièce, je vais un peu attendre de la voir et pas me faire attraper par les méduses. Elle reste un peu plus longtemps en dessous. Ah ben, il y a une autre pièce. J'aurais dû plutôt prendre celle-là au lieu de me faire avoir. Là, je pense que vous avez pu l'entendre dans la musique, je pense que la personne qui a fait la musique s'est un peu amusée. Et voilà, comme vous l'avez constaté, j'ai fait un strike. Hop. Par contre, j'ai pas fait un bon saut. Comme je disais dans la musique de tout à l'heure, vous avez pu entendre que la personne qui a fait la musique a dû s'amuser parce que... On comprend que c'est quelqu'un qui s'amuse avec un verre d'eau. Ah, j'étais pas loin du 350. Bon. C'est pas grave, on passe à la suite. Encore un nouveau personnage. Alors là, c'est le genre de niveau où il faut aller très très doucement. Là, c'est un avant-goût de ce que on reçoit. C'est piquant des fois, sans traître. Je me suis fait toucher, c'est ce que je ne voulais pas faire. Je vais aller récupérer celui-ci. Je vais pas me refaire toucher, voilà. Donc on peut les désactiver, ces genres de ronces des mers, on va appeler ça. Oula, non, c'est pas le bon sens. On peut les désactiver et les réactiver, et des fois, si on va trop vite, ça peut être traître. Donc là, je crois que c'est par ici. Voilà. Donc là, on l'aura compris, là, sur le côté. Je sais pas si vous avez vu. Heureusement, je connais le niveau. Il y a une pièce. Je monte quand même. Oups. Je monte un peu trop vite. Désactiver celui-ci aussi. Allez, désactiver l'autre. Ah, vous aurez compris, il faut y aller très doucement. On va aller le désactiver, comme ça on est tranquille. Compris, il faut être très rapide. C'était moins une. Donc là, je pense qu'il faut aller par là. Ah non. Oula. Ça, c'est dangereux. La suite. On va quand même le suivre. Là, faut faire attention.
va se concentrer, on va essayer de tous les récupérer. Donc là bien sûr faut rentrer doucement et ressortir le plus vite possible. Voilà, hop. Et on va faire la suite. Et là on passe dans la zone sombre. Et là, en fait, vous voyez, il y a ces petites mains qui au premier abord peuvent faire peur. Mais bon, si on a la, on garde bien la lumière sur soi, tout est sous contrôle. Vous voyez, je prends ces petites lucioles. Et vous voyez, elles ont ces mains. Ces mains de l'ombre. Ne reste pas très longtemps proche de vous. Je vais essayer de passer par là. Voilà. Par contre, voilà, il faut reprendre vite fait des lucioles parce que les lucioles ne restent pas très longtemps. Là, vous l'aurez compris, il faut passer par là pour récupérer un Electoon. Alors cette zone est rigolote parce que vous voyez, il y a de la TNT. Donc, pareil, on peut les tuer de deux façons. Donc là, la TNT... Ah. Ici, elle le fait, ça marche, mais alors que dans le... Parce que je vous ai dit, on peut refaire les niveaux dans... Certains niveaux dans Rayman Legends, et dans Rayman Legends, ça n'explosera pas les ennemis, bizarrement. Là, ça le fait. Là en fait c'est des poissons piquants qui gonflent au bout d'un moment. Donc en fait pour les tuer il faut les tuer le plus avant qu'ils aient le temps de se gonfler. Là on repart. Donc les petits claques que vous entendez c'est ces mains sombres qui le font. Donc là nous avons plus du sol mais nous avons des... Comme vous pouvez constater des poissons lumière. Là j'ai quand même les lucioles. Je vais aller récupérer ceci, ça peut m'aider. Je vais redescendre parce que je sais qu'en dessous il y a... Vous avez compris qu'il faut que je touche pas trop de looms pour pouvoir en récupérer des rouges après avoir récupéré donc ce roi. Après donc la suite. C'est Luciole, c'est Luciole, pardon. J'ai dit Luciole, je ne sais pas. Là, je me suis fait toucher. Mauvaise chose. Très mauvaise chose. Heureusement, on peut reprendre ici. Si vous avez eu. Si vous aimez, êtes fan des. Les hallucinations auditives, on dirait que la chanson dit où t'as mis la glue. Là où la glue. Et là vous voyez, je me suis fait avoir plusieurs fois. Je crois qu'il y a un passage par ici pour récupérer les. Faut pas que je reste trop longtemps. Sans lumière. Je pense que
Alors c'est ici. Ici, comme vous l'avez constaté, il n'y a pas plus de lucioles. Faut que je joue avec les poissons lumière. Vous voyez, je suis parce que je sais que pas loin il y a quelque chose qui permet d'aller au pro à une zone d'Electoon. Je pense que c'est ici. Non, ce n'est pas ici. Peut-être par ici. Ouais. Ah voilà. C'est... Non, c'est pas par là. C'est ici. Heureusement, ils mettent un poisson juste au bon endroit. Ce niveau, là, il est par contre très rigolo. Bon, on peut le faire ou comme ça, ou s'amuser à les tuer grâce au serpent ronce. Je vais l'appeler comme ça parce que c'est... Moi que c'est... Il a la même tête que les ronces qu'on peut voir dans le niveau. Allez, grimpe. Donc là, on va récupérer ce poisson. Attendre le poisson. Ah, je me souviens jamais de leur nom. Ils existent. Ah, bien sûr, il y a ces traîtres de poissons. On les appellera des poissons Poséidon parce que vous voyez, il a la lance de Poséidon. Et voilà le dernier. Vous voyez, encore pas loin du 350, mais bon, encore assez pour avoir tous les Electoons. De 1. Et de 2. Et voilà, donc on arrive à la fin de ce sixième épisode. Donc décidément les niveaux auront été chacun un peu plus longs par le... Vous voyez, encore un coffre à pattes. Les coffres à pattes, je pense que je vous les ferai quand j'aurai fini les premières parties des... les premières parties de chaque monde, et j'irai faire ces niveaux de coffre à pattes. Donc je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode, donc au 7ème, où je continuerai la fin donc de cette première partie de ce monde de l'eau. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis donc à plus tout le monde.